Bonjour à tous et bienvenue sur InfoNews, la chaîne des rumeurs, des actualités et des potins de vos célébrités préférées. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Une vive émotion. Jeudi 6 juin, Anthony Delon était invité de Nathalie Lévy dans l'émission d'Aparté sur Canal+. À peine arrivé sur le plateau, l'acteur a vu afficher sur son grand écran le fort de Habor. Vous l'avez reconnu inévitablement, en fait, de Saint-Malo, un endroit cher à votre cœur, j'imagine, a déclaré la journaliste. Ému, le fils de Nathalie et Alain a indiqué « Oui, absolument, en fait, cette île a été offerte à mon père et à ma mère par mon parrain Georges Baume. C'était une tradition parce que mon parrain avait le sens de la tradition. » Alors que son parrain est mort en 2011 et sa mère décédée 10 ans plus tard, c'est au bord des larmes qu'il a glissé. Ah, décidément. Face à cette émotion, non, mais en plus dans les studios de Bologne, en plus, c'était ce qu'il aimait le demi-frère d'un Snouchka et Alain. Le temps qu'ils se reprennent, la journaliste précisait que de nombreux films ont été tournés dans ces studios. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker.